Bonjour. Hello. Bonjour à toutes et à tous. Hello, everybody. Et, good morning to everyone. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette annonce toujours très attendue. Very expected disclosure of the selection, official selection of the 77th Cannes Film Festival. Really hard to believe that a year has elapsed since my first year as president. There's nothing as strong as the first time. Well, I must say that my first festival will remember forever in the day in my memory. One other thing struck me last year, at Ramatoulesi, who was showing his first feature, or Martin Scorsese, who is a very well used to this red carpet. There was the same excitation, the same emotion. It's the magic of the Cannes Film Festival, an eternal first time. For my first year, I'm glad to have chaired an exceptional year, exceptional vintage, the festival of all the records. Never so many viewers, 220,000 people who came to the movies, never so many participants in the film market, 14,000 professionals accredited, 120 countries. Never such a large audience on the France 2 channel, 3.2 million viewers. Orbite. We fly them to the moon. Une pluie de récompenses donc pour le film de 2023, mais aussi des très beaux succès en salle. De quoi démentir le Cassandre qui prédisait le déclin des cinémas face à la montée des plateformes streaming. La magie du grand écran est intacte. Plus que jamais, Cassandre, qui prédisait le déclin des cinémas face à la montée des plateformes streaming. La magie du grand écran est intacte. Plus que jamais, c'est au cinéma que le film a rendez-vous avec son histoire. C'est là qu'il construit sa légende. Les plateformes sont-elles un magnifique relais pour toucher un très large public et pour pérenniser la vie d'un film? La guerre des écrans n'aura pas lieu. L'édition du Festival de Cannes aura donc été celle de tous les records. Il ne fait aucun doute que l'édition 2024 sera à la hauteur. Elle s'annonce déjà sous les meilleurs auspices, puisque notre présidente du jury est Greta Gerwig. Il ne fait aucun doute que c'est une immense joie pour nous qu'elle ait accepté cette responsabilité. Elle incarne parfaitement, à nos yeux, l'âme du Festival de Cannes, ce que nous sommes et ce que nous voulons être, continuer à être. Comme le Festival, elle est animée d'un amour profond pour le cinéma et son histoire, mais elle aime aussi à en réinventer le code. Comme nous, elle embrasse tout le genre et s'adresse à tout le public, promenant son style unique de la scène indépendante et Hollywood. Et comme nous, elle valorise tous les métiers du cinéma,
puisqu'elle a été autrice, actrice et réalisatrice. Greta Gerwig est une jeune femme libre, pleine de vie, d'idées et de talents. Nous sommes ravis qu'elle donne le ton pour cette édition 2024. Et notre maîtresse de cérémonie sera une autre femme, brillante et engagée. Camille Cotin, fierté française, dont le talent rayonne aujourd'hui bien au-delà de nos frontières. Que des femmes tiennent cette année le haut de l'affiche me réjouit tout particulièrement. Je suis très heureuse également que Xavier Dolan ait accepté de présider le jury d'Un certain regard. Ce rôle lui va comme un gant, étant donné sa soif de découverte et sa passion pour les talents des autres. Célébrer les jeunes prodiges du cinéma, aussi bien que les légendes vivantes, a toujours été l'ADN du Festival de Cannes. Comme annoncé, nous remettrons cette année une palme d'or d'honneur à George Lucas, qui a fait entrer tellement de héros dans la mythologie cinématographique qu'il est devenu un mythe lui-même. Autre beau symbole de cette édition 2024, nous ouvrirons le festival au Palm Beach. Après le Carlton l'année dernière, voilà une nouvelle institution cannoise qui retrouve toute sa splendeur. C'est une grande joie pour nous de voir le festival et la ville de Cannes se développer main dans la main et continuer d'écrire ensemble la légende de la croisette. Cette légende ne pourrait vivre sans tous nos partenaires fidèles. Je tiens à les remercier chaleureusement de nous accompagner dans cette merveilleuse aventure. Et parce que c'est avant tout une aventure collective, je voudrais enfin tirer mon chapeau aux équipes du festival, les permanents et tous ceux très nombreux qui interviennent sur place. Leur engagement, leur passion pour le cinéma et le festival est le vrai secret de sa réussite année après année. Je suis très fière de veiller avec eux sur la flamme de cet événement si essentiel pour le cinéma et surtout d'en dessiner l'avenir. Je vais maintenant céder la parole à Thierry pour l'annonce que vous attendez tous très impatients. Cher Thierry, notre tandem en haut de marche célébrera ses noces de coton cette année. C'est une matière douce et résistante. J'ai aucun doute qu'elle sera encore une fois l'étoffe du succès pour cette année. Je suis vraiment impatiente de vous accueillir tous au festival très bientôt. Merci. Merci Iris. Merci à vous tous d'être là, de vous être déplacés ici à l'UGC Normandie. Je voudrais remercier Brigitte Mathioni et UGC de nous accueillir comme chaque année. Aussi enchaîner avec les remerciements que vient de faire Iris. Remerciements en effet aux équipes de sélection, au comité de sélection spécialement, puisque ce que je vais vous annoncer là est le fruit de projections de centaines et de centaines de films, 2000 au total, que nous avons tous vus. Et c'est un travail collectif, comme est un travail collectif l'organisation du Festival de Cannes, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler quand nous serons là-bas sur la croisette. Mais ce collectif s'adresse aussi à vous tous, et spécialement à vous, la presse, les journalistes. On approche des 80 ans du Festival de Cannes et on est à la 77e édition. Et on s'aperçoit, quand on repart en arrière, quand on lit l'histoire du festival, on s'aperçoit qu'elle est intimement liée à l'histoire de la critique et à l'histoire de la presse. Et que la critique et la presse font aussi
le Festival de Cannes, autant que les professionnels, les artistes bien entendu, que nous célébrons, mais autant que les professionnels, les distributeurs, les vendeurs, les producteurs, les exploitants, etc., etc. Et il est important de le redire, même le traducteur Michel Zlotowski, qui est ici comme chaque année, et donc je veux saluer la présence et le talent. Quand je parle aussi de professionnels, je voudrais avoir une pensée pour tous les Argentins, pour le cinéma argentin qui connaît de grandes difficultés, et qui, vous savez que le Festival de Cannes, avec son marché du film et la programmation, possède un événement là-bas, co-réalisé avec les Argentins, qui s'appelle Ventana Sur, fenêtre sur le sud, et les difficultés économiques du pays font que ces difficultés sont aussi celles de son cinéma, et je voudrais les saluer, avoir une pensée pour eux, et là aussi, pas seulement les cinéastes, et on sait qu'il y a une belle génération d'artistes en Argentine, mais également tous les professionnels et vos collègues journalistes. L'an dernier, on avait dédié la sélection à Tom Leudy, qui venait de disparaître, et cette année, c'est à Michel Simon, qui était là tout le temps, face à nous, toutes ces années, qu'on voudrait dédier cette sélection. Michel, qui a été membre du jury, comme Tom l'avait été, qui avait été membre du jury, qui était évidemment le fer de lance de la revue Positif et qui écrivait inlassablement sur les films, qui voulait voir absolument tous les films, qui était là dès 8h30 le matin. Et il va nous manquer, comme nous manquera les gens de son envergure, mais nous savons qu'il y a aussi une jeune génération de critiques qui reprend le flambeau. La sélection, cette année, n'a pas été spécialement facile à faire, chaque année après l'autre. Iris vient de souligner le fait que la sélection de l'année dernière était tout à fait réussie. Nous ne le savions pas quand nous étions là, à cette place. On ne sait jamais ce que les films que nous avons aimés, que nous avons décidé de montrer, on ne sait jamais quelle sera leur fortune, leur postérité. Et il s'est trouvé qu'en effet, l'an dernier, la sélection a été très, très aimée. Bien entendu, on espère et on parie que ce sera le cas également cette année. Mais vous savez tous que le cinéma américain, par exemple, a été impacté par une longue grève issue de réflexions et de mouvements autour de l'intelligence artificielle tout à fait essentiels, qui ont vu les scénaristes et les comédiens se manifester pour préserver leur avenir et leur métier. N'empêche que, bien entendu, un arrêt de plusieurs mois dans l'industrie hollywoodienne se voit et impacte également le Festival de Cannes. Encore que, et pas seulement parce que Kevin Costner sera des nôtres, que George Lucas sera des nôtres et qu'on a aussi beaucoup encore d'autres annonces à faire, le cinéma américain sera tout à fait présent. Et là aussi, une pensée pour un grand studio qui est Columbia, Sony Columbia, qui fête, après Warner, ses 100 ans cette année et qui les fêtera à Cannes. La sélection se compose des sous-groupes habituels avec cette nouvelle sélection à l'intérieur de la sélection que nous avons ouverte il y a quelques années, qui s'appelle Cannes Première, qui remporte un certain succès, puisque même pour les sélectionnés à Cannes Première, il y a plus de candidats que de places disponibles, et on est heureux que les gens, que tout le monde ait compris, que Le Certain Regard est une section où le jeune cinéma, ou le cinéma radical, expérimental, le cinéma de forme, le cinéma de recherche, a toute sa place. Et puis Cannes Première, c'est une section où des cinéastes relativement reconnus, relativement vus à Cannes, viennent montrer leurs films sans autre enjeu que montrer leurs films. Le plaisir d'être en salle de Bussy et de projeter leurs derniers travaux au public et à la presse. Et en plus, il se trouve que, et c'est pas rien dans notre élan, nous aimons aussi que nos films soient vus et que les films de Cannes Première marchent en général très bien en salle. Je vais donc commencer par vous lire cette sélection en commençant par les séances spéciales et en terminant par la compétition. Oui, normal, parce que si je commençais par la compétition, vous vous intéresseriez pas au reste. Bon. Yolande Zobermann, la documentariste que vous connaissez, a fait un film qui s'appelle « La Belle de Gaza ».
Et c'est La Belle de Gaza qui est le premier film sélectionné en sciences spéciales. Un film qui raconte l'histoire des transsexuels palestiniens de Gaza qui passent de l'autre côté et qui vont à Tel Aviv, qui vont à Tel Aviv vivre leur nouvelle identité. Inutile de vous dire que ce film a été filmé, écrit avant la guerre, mais qu'il prend une résonance assez particulière pour continuer d'explorer ce territoire douloureux de notre planète. Claire Simon, grande documentariste, a fait un film qui s'appelle « Apprendre ». Et comme on retrouvera ce thème dans quelques films, c'est un film sur l'éducation, c'est un film sur les enseignants, sur les enfants, mais sur les enseignants. Elle avait déjà fait des films sur les cours de récréation. Elle continue de suivre ce fil-là et c'est un film tout à fait fort et émouvant, comme l'est celui de Sergueï Loznitsa, le cinéaste ukrainien. Vous vous souvenez du documentaire qu'il avait fait sur Maïdan, vous vous souvenez des films de fiction qu'il avait fait au tout début de la guerre, quand dans l'est du pays, déjà, il y avait un certain nombre de soubresauts politiques et militaires. Ce film-là s'appelle « L'invasion ». Ce n'est pas un film sur l'invasion russe ou sur l'agression russe du territoire ukrainien, mais plutôt sur les conséquences et de ce qui se passe quand un pays est envahi par un ennemi. Raoul Peck, qui fut membre du jury, qui fut longtemps le président de la FEMIS, ici à Paris, c'est un cinéaste haïtien qui a gagné récemment un Oscar pour son documentaire sur James Baldwin et qui était déjà venu en compétition à Cannes, a fait un documentaire qui s'appelle Ernest Cole. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais après avoir vu ce film, vous savez à quel point Ernest Cole était l'une des plus grandes voix de la photographie contemporaine, sud-africain exilé aux États-Unis, en Europe, dont on a redécouvert un certain nombre de clichés. Dans le nord de l'Europe, le film parle de ça aussi, de la restitution aux familles et aux ayants droit de l'œuvre de leurs parents. Et Ernest Cole était un extraordinaire photographe. Ce film ramène aussi le passé au présent, ce qu'il est bon de faire de temps en temps. Le passé, en l'occurrence, étant celui de l'apartheid, pays dans lequel il a grandi. Et c'est tout à fait fort de revoir aujourd'hui ce qu'était l'Afrique du Sud de l'époque et le visage et la figure de Mandela qui traverse aussi le film est aussi quelque chose de très réconfortant à voir aujourd'hui. Daniel Auteuil, c'est tout à fait différent, c'est un film de fiction. Il nous dit que c'est son vrai premier film, après qu'il ait adapté quelques films de Marcel Pagnol. Et dans cette séance spéciale, en salle Agnès Varda, ou en salle Buñuel, deux figures qui sont chères à l'histoire du Festival de Cannes, son film s'appelle « Le film », c'est un polar, avec Grégory Gadebois, avec lui, avec aussi Daniel Auteuil. Vous vous souvenez qu'en dernier, on avait montré là-bas le théorème de Marguerite. Petit film qu'on n'avait pas mis sur le côté, mais qu'on avait voulu au contraire intégrer et qui a connu une très belle carrière jusqu'au César décerné à l'actrice pour la meilleure révélation de l'année. Ça, ce sont les séances spéciales. Oui, j'ai oublié de commencer, j'aurais dû commencer par dire que comme de tradition, quelques ajouts seront faits. Moins d'une dizaine de films la semaine prochaine, parce que, pour tout vous dire, à minuit hier soir, on avait un peu les yeux qui piquaient et des décisions qui auraient été issues d'un cerveau un peu confus. Alors on aime bien parfois reprendre un peu de temps. Donc il y aura sans doute quelques séances spéciales de plus, quelques Cannes premières de plus, mais déjà le programme est tout à fait copieux et formidable. Alain Guiraudy, son film s'appelle « Miséricorde » et Guiraudy, qui est venu en compétition, qui avait marqué l'histoire du Festival de Cannes au certain regard avec ce film qui s'appelait « L'inconnu du lac », là, « Miséricorde », vous comprendrez pourquoi ça s'appelle « Miséricorde » quand vous verrez ce film, qui est un film évidemment sur la circulation du désir des corps, des regards, spécialement entre les hommes. « C'est pas moi », le film de Léo Carax, c'est pas moi, bah si, c'est lui. C'est un film autobiographique, c'est un essai. C'est peut-être pas lui, c'est lui. C'est un véritable essai esthétique, comme le ferait un écrivain. C'est un film assez court, très fulgurant, très brillant, et qui nous permet, 2 ans après Annette, de voir revenir Léo Carax, qui avait fait l'ouverture
de ce fameux, qui commence à devenir légendaire, festival que nous avions tenu pendant l'année de l'épidémie, en juillet 2020. Nabil Ayouch, le cinéaste marocain, son film s'appelle « Everybody Loves Touda », et c'est l'histoire d'une femme, l'histoire d'une chanteuse, et la manière dont, parfois, et dans une certaine histoire du Maroc, dans une certaine conception culturelle et politique du Maroc, les chanteuses étaient précisément considérées comme autre chose que les chanteuses et ne pouvaient pas tout à fait accomplir complètement leur vocation d'artiste. Emmanuel Courcol avait été sélectionné dans cette sélection de 2020 dont je parlais, dont on n'avait pas pu montrer le film. Ça s'appelait Un triomphe avec... celui-ci s'appelle En fanfare et c'est avec Benjamin Laverne et Pierre Lutin et il sera donc montré à Cannes Première. On est heureux d'accueillir physiquement désormais Emmanuel Courcol. Ritipan, rendez-vous avec Pol Pot, évidemment le titre dit un peu tout de ce film de fiction qui n'en est pas tout à fait un puisque Riti continue l'exploration de l'histoire de son pays, dont il a, à l'image de ce qu'a fait Claude Lanzmann pour la Shoah, il a ajouté le cinéma à l'histoire même de ce qu'il racontait par les archives, mais par une réflexion menée de... C'est moi qui fais du bruit, menée de longue date. Et là, c'est un film qui raconte une histoire vraie, la manière dont les Khmers rouges, après s'être emparés du pays, faisaient venir la presse étrangère pour dire à quel point le pays était formidable et la presse en question se rendait assez vite compte qu'il n'y avait pas tellement de monde à Phnom Penh. Et voilà, ce film sera présenté à Cannes Première. On est content de voir revenir Ritipan à Cannes. Et puis, le roman de Jim, c'est le film des frères Larieux, on aime bien les frères de cinéma, Arnaud et Jean-Marie Larieux, qui, fidèles au roman qu'ils ont adapté, sont allés tourner dans le Jura, avec Karim Leclou, Sarah Giraudot, plein de personnages provinciaux, eux aussi, à l'image d'Alain Guiraudy, visitent une histoire du pays, une histoire de la France, qui n'est pas toujours celle d'un cinéma parisien. On sait que le cinéma français est toujours un peu parisien, et bien pas avec Alain Guiraudy, pas avec les Larieux, et ils sont donc là, eux aussi, de retour. Ils étaient en compétition avec Peindre ou faire l'amour, si vous vous en souvenez. Ils avaient montré leur comédie musicale également il y a quelques années. Les voilà de retour avec le roman de Jim. Les séances de minuit, qui sont des séances tout à fait... Il y a un bruit là, non? Oui, c'est différent. C'est moi? C'est pas moi, hein? Moi, je touche rien. Non, c'est quelqu'un qui a un micro dans la main et qui ne se rend pas compte que... Non? Non. Moi, je dis que c'est pas moi, mais bon. Les séances de minuit, donc. Il y en a quatre. Et c'est toujours une fête magnifique pour aussi accueillir à Cannes un cinéma dont on pouvait penser il y a quelques années qu'il n'avait pas sa place à Cannes, alors qu'il l'a tout à fait. Par exemple, le film de Hong Kong de Soi Chiang, Twilight of the Warrior World Inn, qui est un film de bagarre, hein, de bagarre hongkongais, un film de genre, qui, comme l'autre film qui s'appelle I, The Executionnaire, le film de Song Wang-ryo, qui est un film coréen, ce sont deux films de genre qui sont aussi des grands films de metteurs en scène. Encore une fois, comme les comédies, s'il n'y a pas de la mise en scène, ce sont des films qui auraient du mal à exister, qui existent par la mise en scène, qui existent par le cinéma, qui existent que par la manière dont ces films-là s'inscrivent aussi dans un genre et dans une histoire. Cannes n'a jamais boudé le cinéma de genre, a toujours pensé que les grands réalisateurs de films policiers, de films de sabre, de comédie, étaient aussi de grands metteurs en scène. Il y a vachement de bruit, mais je ne bouge pas. Hein. Non, c'est pas moi, ça. Hein. Et puisque je parlais de cinéma de genre,
et que j'ai Frédéric Cassoli face à moi, qui est une manière... Vous passez très très bien ouais. à la radio et à la télé. Qui est une manière de dire qu'il y a aussi, en France, l'un des rares festivals du monde est entièrement consacré à la comédie, qui est à l'Alpe d'Huez, qui est un beau pays. Ça, c'était les séances de minuit. Hors compétition, en effet, Mad Max 5, Furiosa, une saga Mad Max de George Miller. On l'a déjà annoncé parce qu'on n'a pas pu se retenir, ni Warner non plus. Je voudrais remercier Warner parce que c'est un studio extrêmement fidèle à Cannes, pas seulement parce que Iris, à mes côtés, a longtemps dirigé, a longtemps été l'une des dirigeantes de ce studio, mais ça continue. On avait fait l'ouverture avec Baz Luhrmann et Gatsby, magnifique. l'ouverture plein également de films. Et là, c'est Furiosa qui sera montré le premier mercredi, donc le lendemain de l'ouverture de Cannes. Et accueillir George Miller, c'est pas accueillir un auteur de blockbuster, pas plus que rendre hommage à George Lucas et uniquement celui qui a inventé la saga Star Wars. Ce sont des grandes imaginations qui sont venues nourrir de manière très contemporaine le cinéma de personnages nouveaux, d'histoires nouvelles. Et ça donne ce Furiosa très envie, pour ceux qui ne le font pas chaque année, et c'est un tort, de retourner à la saga Mad Max et de revoir les premiers épisodes pour se dire, mais comment, à partir de ce type qui s'énerve un peu là, dans Mel Gibson, dans Mad Max 1, on est arrivé à tous ces Mad Max. Et voilà. Donc, on est content d'avoir George Miller. On a également annoncé Horizon 1, la première partie d'une American saga, d'une saga américaine dirigée par Kevin Costner, qui est l'acteur qu'on connaît, mais qui est aussi un très grand metteur en scène. Souvenons-nous de Danser avec les loups, de Open Range. Et il est parti dans une longue adaptation d'une vision de la conquête de l'Amérique. C'est un western dont il faut dire qu'avant d'être un genre cinématographique, ce fut un genre littéraire. Et Horizon est la mise en place, la première partie, ça dure quand même 3 heures, et tout y est, les cow-boys, les Indiens, les pionniers, les diligences, les comment on appelle, les roulottes, là, les bandes... les caravanes, voilà, pour penser à John Ford et à William Wellman. Mais justement, il y a quelque chose, une belle obstination chez Kevin Costner de continuer à visiter l'histoire de son pays. Sienna Miller, qui fut au jury il y a quelques années, on aura plaisir à la retrouver, elle figure dans ce film-là. Peter Chan est un cinéaste chinois et le film s'appelle « She's Got No Name ». C'est un film qui fera également revenir Zhang Ziyi sur la croisette. C'est la plus grosse production chinoise de l'année. Ils ont bloqué les rues de Shanghai pendant quelques mois. Et on a vu revenir pas mal de films chinois dans le processus de sélection. Ça fait quand même 3 ou 4 ans, évidemment, que la Chine était moins présente dans le cinéma mondial en raison de cette épidémie. Et on les voit revenir. Ce n'est pas le seul pays, d'ailleurs, mais on a vu avec satisfaction que des pays comme la Chine, qui sont des grands pays de cinéma, et ce film-là est un grand film d'auteur populaire venu de Chine. Et puis enfin, en hors compétition, le film s'appelle « Rumeur ». C'est une co-réalisation à 3 voix, 6 mains, de Evan et Galen Johnson et de Guy Guy Madin. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'un G7, l'histoire d'une réunion des grands dirigeants de ce pays. Denis Ménochet-Camp, le président français, Kate Blanchett-Camp, une sorte de... Ursula von der Leyen, et c'est les dessous la réunion de ces grandes sondes, et c'est une comédie ironique, une comédie politique, mais quelque chose d'extraordinairement instructif aussi. Ça s'appelle donc « Rumeur », et ce sera montré hors compétition, et là aussi, ah oui, j'ai oublié les choses, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Je suis passé des séances de minuit au hors compétition. Et donc, Rumeur, ce film de Evan, Galen et Guy Madin. Je continue les séances de minuit
Lorcan Finnegan, c'est un film australien qui s'appelle The Surfer. Vous vous souvenez de The Swimmer avec Burt Lancaster qui avait une sorte d'obsession. Et bien là, ce n'est pas The Surfer, c'est The Swimmer et ce n'est pas Burt Lancaster, mais Nicolas Cage. Et le film raconte l'histoire de Nicolas Cage qui, ayant grandi dans une petite baie en Australie où il a fait beaucoup de surf dans sa jeunesse, décide de revenir faire du surf avec son fils, sauf que la baie en question, il y a des méchants qui ne veulent pas de lui et qui vont décider de l'empêcher de faire du surf. Et lui, il va décider que non, on ne va pas l'empêcher de s'affronter avec cette vague. Et donc, ça s'appelle The Surfer et Nicolas Cage sera là et on sera content de l'accueillir. Le quatrième film de Minuit s'appelle Les femmes au balcon et c'est la deuxième réalisation de Noémie Merlant. Actrice française, oui, mais on va dire réalisatrice française, puisque son premier film, Yubita, mon amour, avait été également en sélection officielle. Celui-là est assez différent. Elle avait fait un premier film avec les moyens du bord, et ça avait l'allure des moyens du bord. Ça en faisait la qualité, ça en faisait la force. Et Les femmes au balcon est une comédie féministe qui se passe à Marseille. Donc, ça n'est pas une comédie féministe marseillaise, parce que Iris m'a dit, ne dis pas comédie féministe marseillaise. Bon. Donc, c'est une comédie féministe qui se passe dans cette belle ville de Marseille. Et Noémie Merlant et sa scénariste Céline Sciamma ont organisé toute une série d'événements, tous plus loufoques les uns que les autres. Et on voit une Noémie Merlant changer par rapport à son premier film, de style, mais pas de conviction, et en tout cas pas de désir de cinéma, puisque c'est un film tout à fait fort, un film de cinéma qui s'appelle donc « Les femmes au balcon ». J'ai rien oublié, Fred ? Non, ça va, bon. Donc, je passe aux certains regards, dont je vous disais tout à l'heure que nous n'avons jamais cessé d'en faire ce qu'il a été lorsque Gilles Jacob, pour lequel nous avons une pensée, l'a mis en place lorsqu'il est arrivé, c'est-à-dire le jeune cinéma, un cinéma de recherche formelle, un cinéma aussi très universaliste, avec des pays représentés venus du monde entier, comme par exemple Nora, le film de Tawfiq Al-Zaidi, qui est un film venu d'Arabie Saoudite. Je parlais tout à l'heure du film de Claire Simon sur l'enseignement. C'est aussi un film d'Arabie Saoudite, de désert, de sable, de paysage, mais aussi, comme on voyait dans le cinéma américain des années 30 ou 50, l'histoire d'un professeur, l'histoire d'un enseignant et l'histoire d'une jeune fille, donc Nora. Et je voudrais préciser que l'Arabie Saoudite possède aussi désormais un festival qui s'appelle le Red Sea Film Festival, qui dit aussi la conviction de ce pays pour ce qui concerne le cinéma. The Shameless est un film, comme ne l'indique pas le nom de son metteur en scène, Constantin Bojanov, est un film indien, ou en tout cas qui se passe en Inde, et l'Inde est un grand pays de cinéma en général, mais aussi un grand pays de cinéma contemporain. Et vous allez voir que dans cette sélection, il y a le retour assez fort de l'Inde. Julien Colonna, Le Royaume, est un film français, c'est un premier film. C'est la première entrée française aux certains regards. L'histoire, il y a une expression anglaise qui s'appelle « coming of age », c'est un film d'apprentissage. L'histoire d'une jeune fille qui va apprendre ce que sont les règles, ce que sont les traditions, ce que sont les histoires de la communauté dans laquelle elle est née, dans laquelle elle a grandi. Le Royaume, c'est le premier film de Julien Colonna. C'est également un premier film, le film de Louise Courvoisier. Quand je disais tout à l'heure qu'il existe non pas un cinéma provincial, mais un cinéma français hors de Paris, c'est aussi le cas de Vingt Dieux, le film de Louise Courvoisier, premier film. Vous saurez tout de la fabrication du comté, du fromage. C'est un film de fiction. Et Louise Courvoisier, par ailleurs, a gagné la Ciné Fondation il y a quelques années pour son court-métrage de film d'école. Donc on est heureux de l'accueillir pour son premier long-métrage. Je parlais de Noémie Merlant tout à l'heure. Laetitia Doche, la comédienne suisse que vous connaissez, réalise également son premier film, qui est aussi une comédie qui s'appelle Le procès du chien. Bah oui,
C'est un chien qui passe en procès dans ce monde où, de plus en plus, on est à vouloir interroger la justice pour telle ou telle raison. Et bien, même sur les actes des chiens, et bien, le film, son titre, ne le résume pas tellement c'est un film plein de choses formidables. Mais le film s'appelle « Le procès du chien ». C'est un film, c'est une entrée suisse et c'est un premier film. « Black Dog », c'est le film de Guan Hu, film chinois. Et Black Dog raconte l'histoire, il y a quelques années, lorsque se préparaient les Jeux de Pékin, quand le gouvernement chinois a décidé d'éliminer tous les chiens errants qui traînaient dans les rues de Pékin et dans le pays en général. Et c'est l'histoire d'un homme qui va être chargé dans sa ville d'évacuer tous les chiens de ça. Ça s'appelle Black Dog. The Village Next to Paradise, c'est le film somalien de Mo Araoué. Et là aussi, on sait que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne, que l'Afrique du Nord, le Maghreb, sont déjà des sous-continents très forts de cinéma. Eh bien, l'Afrique de l'Est aussi. On avait accueilli des films kényans, on l'a accueilli en dernier un film soudanais, et là, c'est un film somalien. Et soudainement, comme pour l'Arabie saoudite, des voix nouvelles se font entendre, des voix de cinéastes. C'est un film extraordinairement convaincu sur le plan de ses parties pris visuelles, sur le plan de sa narration, de la manière dont ce film raconte son histoire, qui n'est pas un film survolté new-yorkais. Non, c'est un film somalien, Le village près du paradis de Mo Araoué. C'est un premier film. Autre premier film, et autre film de comédienne, ou plutôt de quelqu'un qu'on a d'abord connu, nous connaissons d'abord comme comédienne, mais qui se révèle là aussi une cinéaste, une metteuse en scène pleine de conviction, Ariane Labede, dont c'est le premier film, September 16, un film tourné à Londres, là aussi un film d'apprentissage, ou plutôt d'échange entre deux adolescentes et leur mère célibataire, et ça s'appelle September 16. L'histoire de Suleyman, un film français de Boris Lochkine, et l'histoire de Suleyman. Suleyman, c'est un personnage qui incarne tous les personnages que nous voyons dans les rues de Paris, de Lyon et d'ailleurs du monde entier, ces gens qui sont à vélo et qui vont livrer des repas pour des grandes enseignes mondiales, pour des gens qui les commandent. Et en fait, peut-être qu'on le fait tous, enfin moi je ne le fais pas, mais de commander les repas, mais on a toujours l'arrivée. Là, c'est le point de départ, et c'est ces gens qui sont à vélo dans Paris et qui sont en général, évidemment, des migrants venus de pays qui veulent s'installer chez nous, en tout cas en France, pour essayer d'avoir des papiers. Et c'est un film dont le premier quart d'heure, on se demande vraiment, et donc je ne vous dirai pas ce que c'est, si c'est une fiction ou si c'est un documentaire, tant on a l'impression que cette histoire devait être contée et contée par le cinéma. Roberto Minervini est aussi quelqu'un qui vient du documentaire, qu'on a déjà accueilli au Festival de Cannes, un cinéaste américano-italien. Son film s'appelle « Les damnés », et c'est un film de guerre, ou plutôt de guerre de sécession, sur la guerre civile des jeunes soldats qui sont en mission avec un ennemi invisible. Et évidemment, l'un des grands intérêts du film, c'est sa forme, c'est la manière dont Roberto Minervini renouvelle le regard qu'on peut avoir sur le quotidien de la guerre et sur le ressenti de jeunes soldats. Et ça s'appelle « Les damnés ». Rungano Nyoni, vous connaissez son nom, elle était au jury l'année dernière. Son film nous est arrivé très tard. C'est la première entrée de l'histoire du Festival de Cannes, comme pour l'Arabie saoudite de la Zambie et de la Guinée, puisque c'est un film entre les deux pays. Et le film s'appelle « On Becoming Guinea Fall ». Et c'est une comédie dramatique familiale assez forte et assez inédite pour nous qui ne sommes pas de ces pays, de voir une cinéaste nous raconter ce que sont les rapports humains et les rapports femmes-hommes dans ces pays-là. Hiroshi Okuyama, c'est un cinéaste japonais, jeune génération japonaise. C'est comme si Koreeda
revenait, comme il y a 25 ans maintenant, avec ses premiers films. C'est peut-être un jeune Koreeda que nous avons avec Hiroshi Okuyama. Son film s'appelle My Sunshine. Ça se passe dans le milieu en partie du patin à glace. Et c'est un film qui, là aussi, visuellement, et je voudrais rassurer tous les professionnels qui nous montrent les films et qui rechignent parfois, et pas sans vous raconter notre vie technique, mais nous avons une salle de cinéma dans Paris où nous voyons les films. Et puis, au fur et à mesure que les films arrivent, aujourd'hui, c'est plus facile. C'est facile, en tout cas, d'envoyer des liens. Et bien entendu, les cinéastes rechignent à l'idée que nous voyons les films sur des petits écrans et pas sur grand écran. Alors, je veux le redire, que quand on les voit, c'est à la maison et sur des beaux écrans, parce qu'on fait attention à ça. On ne voit pas les films sur des portables. Et c'est important, un film comme celui-là, comme le film soudanais dont je vous parlais, ou le film saoudien, parce que c'est des films pour lesquels, et le cinéma, c'est encore ça. La littérature, on va dans une librairie, on ouvre un livre, c'est deux pages, on sait si c'est de la littérature. Le cinéma, on voit 10 minutes et on sait s'il y a quelque chose qui est proprement cinématographique. C'est le cas de tous ces films du Certain Regard. Sandhya Suri, c'est une réalisatrice indienne. Le film s'appelle Santosh et elle est, elle aussi, l'une des membres de cette nouvelle génération de cinéastes et de réalisatrices spécialement venue d'Inde, dont je redis que c'est un pays qu'on a plaisir à voir revenir. Truong Minh Ki, jeune génération vietnamienne, d'ailleurs le film s'appelle Viet An Nam, c'est un cinéaste vietnamien qui l'an dernier a gagné la caméra d'or pour un film qui était présenté à la quinzaine des cinéastes, et on est content d'accueillir ce film-là. Et puis Armand, c'est le titre du film de Halfdan Ullmann Tondel. Vous avez bien entendu, Ullmann, je ne devrais peut-être pas le dire d'ailleurs, parce qu'il va dire « Non, 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 je suis là pour mon film », mais en effet, il est là pour son film, mais par ailleurs, il est le petit-fils de notre très cher Liv Ullmann. C'est un premier film norvégien qui figure dans cette sélection du Certain Regard, dont je ne vous annonce pas le film d'ouverture parce que ça n'est pas encore décidé, et dont je vous dis qu'il y aura sans doute encore quelques corrections. Dans la grande salle où seront montrés les films de minuit, où seront montrés les films hors compétition, seront bien entendu montrés les films de la compétition dont je vais vous donner la liste. The Apprentice, c'est le film d'Ali Abbasi. Ali Abbasi est un cinéaste iranien d'origine qui vit en Suède, dont on avait montré Border. Vous vous souvenez, un film fantastique, de genre fantastique, très beau film par ailleurs, qui avait gagné le prix du Certain Regard. Il est revenu avec un film sur un tueur de femmes à Téhéran. Et là, c'est un film américain qui s'appelle L'Apprenti. Et L'Apprenti n'est ni plus ni moins que Donald Trump. Et c'est un film qui raconte les jeunes années de l'apprenti Donald Trump, qui va devenir Donald Trump. C'est donc un film tout à fait américain. Karim Aynouz, il est brésilien. Motel Destino est un film dans la veine très personnelle de Karim Aynouz, qui est retourné dans son Nord-Est, tourner un film de comédie sexuelle, de comédie, je parlais tout à l'heure du désir, des corps, etc., de chez Guiraudy. Donc Guiraudy, c'est le Causse, c'est le là, et ben lui, c'est le Nord-Est. C'est pas pareil, mais il y a quand même, entre cinéastes, des choses qui circulent, une manière aussi d'évoquer les questions du désir et de l'amour en 2024. Motel Destino, c'est le titre du film de Karim Aynouz. Andrea Arnold, vous la connaissez bien, la cinéaste anglaise qui est revenue il n'y a pas très longtemps avec un film qui s'appelait Vache, Cow, qui était le destin d'une vache. Là, le film s'appelle Bird et ce n'est pas le destin d'un oiseau, c'est le destin, là aussi, récit d'apprentissage d'une jeune fille dans une banlieue anglaise et qui va essayer de s'évader de la fatalité sociale à laquelle sa naissance l'a destinée. Évidemment, c'est du Andrea Arnold, c'est un style caméra à l'épaule, c'est un cinéma à l'os et c'est un cinéma extraordinairement nécessaire pour nous raconter aussi l'histoire des pays. Première entrée française en compétition, Jacques Audiard, qui, évidemment, Palme d'Or,
ex-Palme d'Or, mais enfin non, on est Palme d'Or pour toujours. Quand on est Palme d'Or, le film s'appelle Emilia Pérez, titre à consonance hispanique et pour cause, puisque c'est une comédie musicale sur les chez les cartels mexicains. J'en dis pas plus. Parce que si j'en dis plus, c'est à la fois intéressant, mais je ne veux d'abord pas me substituer aux stratégies de marketing du film, mais voilà, ça s'appelle Emilia Pérez, et ça nous permettra d'accueillir à Cannes Zoé Saldana et Selena Gomez, pardon. Et pardon Selena, mais on est content de les accueillir. Sean Baker, jeune nouvelle vague américaine, qui revient avec un film qui s'appelle Anora, entrée américaine. Ali Abassi est un film américain. Sean Baker est un film tout à fait américain, comme l'est celui, comme l'est celui de Francis Ford Coppola, qui est donc de retour à Cannes avec ce film dont vous connaissez presque tous déjà le titre, puisque ça s'appelle Mégalopolis. Et on est très heureux d'accueillir celui qui fait partie du club assez fermé des réalisateurs ayant gagné 2 Palmes d'Or. Et les siennes étaient pour La Conversation avec Gene Hackman et Apocalypse Now. Apocalypse Now, qui fut Palme d'Or en 1979. Et c'est le film que Francis voulait faire de très très longue date. Et on est évidemment très heureux qu'il nous ait fait l'honneur de venir présenter ce film à Cannes. Cannes est cher à son cœur, mais lui, il est cher au nôtre de cœur, Francis Coppola. Donc, on l'attend. Ça a été annoncé. Il y a des dates qui ont été annoncées. On verra bien tout ça. Christian Jeune, dont je n'ai pas parlé, mais je remercie l'équipe, mais je veux spécialement remercier Christian Jeune et Stéphanie Lamôme. Christian Jeune commence dès aujourd'hui toutes les questions de grille et de programmation. David Cronenberg, The Frauds, est un film où il évoque, le film s'appellera, je crois, Les Linceuls en titre français, et c'est un film qui évoque la perte d'un être cher. C'est un film qui voit réunis Vincent Cassel et Diane Kruger, et on est heureux, évidemment, d'accueillir David Cronenberg. Et c'est drôle que l'ordre alphabétique fasse succéder à David Cronenberg, qui a commencé dans le cinéma de genre, dans le cinéma d'horreur, dans le cinéma qui fait peur, de voir succéder le nom de Coralie Farja, deuxième entrée française dans cette compétition, deuxième entrée française pour un film complètement américain qui s'appelle The Substance, film produit par Eric Fellner, qui est un film d'un studio Universal, je crois, je ne voudrais pas faire d'erreur, avec Demi Moore, qu'on verra, qu'on accueillera à Cannes, on est content, et Margaret Qualley, qui était dans le film de Claire Denis. Là, on est dans un film de genre, dans un body horror assumé, dans un film gore assumé. Mettez des protections, parce qu'à la fin, il y a quand même pas mal de sang sur l'écran, dont on a le sentiment qu'il traverse justement l'écran. Et le cinéma de genre, et a fortiori un cinéma de genre fait par une réalisatrice, et une pensée évidemment pour Julia Ducournau, mais Coralie Farja, qui se signalait par une première entrée avec un film qui s'appelait The Revenge, fait son entrée en compétition. Je disais tout à l'heure que quand on fait du cinéma de genre, il faut qu'on soit un grand cinéaste pour que ça marche justement le genre, et c'est le cas de Coralie Farja. En tout cas, en avons-nous jugé pour estimer qu'elle avait complètement sa place dans la compétition. Cette année, Miguel Gomes, cinéaste portugais, grand tour, première sélection, première arrivée en sélection officielle de Miguel Gomes et en compétition. C'est un des films qu'on a vu le plus tôt dans l'année, on l'a vu quasiment fin novembre ou même en novembre. Et on est content d'accueillir Miguel Gomes, film en partie en noir et blanc et en couleur, film d'une grande virtuosité visuelle et qui nous permet d'accueillir l'une des voix très singulières du cinéma d'auteur européen et en l'occurrence portugais. Christophe Honoré, son film s'appelle Marcello Mio. Et Marcello Mio, c'est Marcello Mastroianni, dont par ailleurs, je crois que ça n'a rien à voir, mais
nous célébrons les 100 ans de la naissance. Marcello Mio, c'est bien Marcello Mastroianni, mais en fait, ce n'est pas lui, c'est sa fille, Chiara Mastroianni, qui tout à coup décide de refaire un petit voyage dans la peau, dans l'ombre, dans l'esprit de son père. Et il y a d'ailleurs sa mère qui s'en étonne, qui est Catherine Deneuve, qui est également dans ce film. Et toute cette petite équipée où on retrouve Fabrice Luchini, Benjamin Biolay et Melville Poupeau, qui sont aussi des hommes chers à la vie de Chiara Mastroianni. Vous voyez que tout ça est assez mélangé, une fiction, pas un documentaire, une fiction, mais une histoire réelle. C'est ce qu'a concocté Christophe Honoré et qui lui vaut de revenir parmi nous en compétition. Jia Zhangke, je parlais de la Chine tout à l'heure, le grand maître chinois Jia Zhangke, qui a eu aussi à traverser le Covid dans un pays qui a eu d'autres stratégies que le monde occidental, mais qui n'a pas cessé de travailler, de s'occuper lui-même d'un grand festival, le festival de Pingyao, et il revient en compétition avec un film qui s'appelle « Caught by the Tide », qui est un film qui, là aussi, fidèle au style Jia Zhangke que nous connaissons, est un film d'une grande fluidité narrative à l'intérieur d'un mélange d'images d'archives, d'images de fiction, d'images de vidéo, d'images au contraire incroyablement travaillées et qui dit de la Chine quelque chose qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir. Et c'est très beau et très fort qu'un artiste dise « voilà, mon pays, c'est ça ». Et il le dit à travers un certain nombre de personnages qui fait que le voyage vaut la peine. Payal Kapadia est une réalisatrice indienne. Elle arrive en compétition. Elle avait gagné l'Œil d'or. C'est une documentariste. Elle est tout à fait sur la carte. Mais pour ce film de fiction, All We Imagine as Light, elle est en compétition. Quand je disais que l'Inde et la Chine sont des pays qui reviennent vers nous. On en est très heureux. Je voudrais aussi ajouter qu'il y a des choses qui nous... D'abord, il y a souvent des Indiens, des Indiennes, des comédiens, des comédiennes qui viennent au jury. On fait toujours très attention à ces sous-continents, ces subcontinents que sont Chine et Inde, parce que ce sont historiquement des grands pays de cinéma. Il y a autre chose, c'est aussi que ce sont de grands pays de communicants, de grands pays qui ont embrassé complètement ce que sont les réseaux sociaux, la manière de communiquer, la manière de dire les choses. Et il y a parfois, même à nous, des événements cannois dont l'importance nous échappe, mais qui est tout à fait forte dans ces pays-là, en Inde ou en Chine. C'est souvent Renaud Levon-Kim de chez Brut, notre partenaire, qui nous le dit, parce qu'il est assez fort en Inde, et il nous dit, mais là-bas, vous ne vous rendez pas compte à quel point le Festival de Cannes est important. Et c'est pareil pour la Chine, c'est pareil d'ailleurs pour plein d'autres pays. Des choses qui, dans notre peut-être ethnocentrisme occidental, font que ça nous échappe un peu, mais c'est tout à fait important. Et j'espère que, comme nous, vous célébrerez l'arrivée de Payal Kapadia en compétition. Yorgos Lanthimos était venu, ce n'était pas son premier film, mais c'est peut-être la manière dont il avait été vraiment découvert, ou certains regards, avec Tis, eh bien, revient en compétition avec Kinds of Kindness, un film qui est déjà prêt. Il y avait Mother, non, comment ça s'appelait Poor Things l'année dernière, pour lequel il est allé chez nos collègues de Venise, et puis ensuite dans la saison des récompenses. Et là, ce film s'appelle Kinds of Kindness. Il retrouve son actrice fétiche Emma Stone, et ainsi que Willem Dafoe, qui était déjà dans Poor Things. On est heureux de l'accueillir à nouveau, Yorgos Lanthimos. Troisième entrée française dans cette compétition, Gilles Lellouche. Son film s'appelle « L'amour ouf ». Gilles Lellouche avait un peu, enfin beaucoup même, marqué les esprits lors de sa première apparition en sélection officielle, hors compétition, « Le grand bain ». Eh bien là, il va se lancer dans le grand bain de la compétition. C'était son grand projet, « L'amour ouf », que nous avons vu très tardivement et qui se retrouve en compétition pour son troisième long-métrage, je crois, parce qu'il avait réalisé des choses avant Le Grand Bain, donc L'Amour Ouf. Agathe Ridinger, c'est une Française, c'est un premier film,
Et le film s'appelle « Diamant brut ». Je ne vais pas dire que c'est la petite fille des Dardennes, autre petite pensée que nous avons, mais ou une petite nièce du sud de la France. Et à la Rosetta de la Belgique succède ce personnage d'une jeune fille. Et là, on revient aussi à un récit d'apprentissage de cette jeune fille que la caméra très virtuose de Agathe Ridinger suit, de cette jeune fille qui a des rêves, qui a des utopies, qui veut s'accomplir. Cet accomplissement passe beaucoup par une deuxième existence virtuelle sur les réseaux sociaux. Et c'est un film extrêmement contemporain, extrêmement moderne, et dont on a décidé, chère Agathe, que je ne connais pas, d'inviter en compétition parce qu'il nous a semblé que ce film avait la force pour que Cannes continue aussi d'être une terre de découvertes où nous posons des noms, des pays, des genres inconnus sur la carte. Et après, nous tous, avec vous compris, eh bien, nous en faisons l'expérience de voir si nos choix ont été les bons ou pas. Et quand ils ne sont pas bons, d'ailleurs, vous ne vous privez pas de nous le dire. Paul Schrader, il était venu pour Mishima, donc ça fait très très longtemps que Paul Schrader, qui est à la fois un grand scénariste, vous vous souvenez tous évidemment de Taxi Driver, mais qui est surtout un grand metteur en scène et aussi un très très grand cinéphile bressonien, retrouve Richard Gere pour un film qui s'appelle « Au Canada », qui sera le dernier scénario tourné de Russell Banks, disparu l'année dernière. Scénario tourné parce qu'il avait un projet avec Bertrand Tavernier, Russell, d'un scénario d'un film qui ne s'est pas monté. Et là, Richard Gere et Uma Thurman sont les personnages, sont les comédiens de cette comédie funèbre, mais pas triste, cette comédie sur le vieillissement, sur le retour sur la jeunesse, sur le retour sur une vie et sur ce qu'ont été les occurrences de cette vie et les erreurs parfois qu'on a pu faire. Et on est heureux d'accueillir Paul Schrader, Uma, évidemment, qui fait partie de la famille, et Richard Gere, qu'on n'a pas vu depuis longtemps et dont je veux vous dire qu'il n'a rien perdu de tout ce qu'il était, un grand acteur. Kirill Serebrennikov, il passe de la femme de Tchaïkovski, à Limonov, autre personnage russe. Serebrennikov est un cinéaste que nous avons découvert au Certain Regard, qui est venu régulièrement. C'est un type très, très actif, qui aime bien les personnages interlopes, troubles, et voire pas forcément sympathiques, ce qui n'était d'ailleurs pas tout à fait le cas, être sympathique de Tchaïkovski. Et là, le Limonov, c'est le Limonov d'Emmanuel Carrère, qui avait déjà raconté cette destinée particulière de cet homme qui commence à s'accomplir un peu avant et dans l'effondrement dans l'Empire soviétique, qui se retrouve à New York, qui se retrouve un peu partout, pour retourner vivre dans la Russie et dans la Russie de Poutine, où il continue d'être un politique et d'être en politique aux positions extraordinairement radicales. Et Serebrennikov offre précisément, dans la flamboyance de son style et de sa mise en scène, un film qui épouse bien, dans les derniers recoins, c'est Ben Whishaw qui joue le personnage de Limonov, de ce qu'était ce personnage de Limonov, Kirill Serebrennikov. Paolo Sorrentino, après un détour par d'autres supports, la série avec The Young Pop, avec aussi son film sur Naples, fait pour nos amis de Netflix, revient avec un film toujours tourné à Naples, Partenope, c'est le titre, qui est l'histoire d'une jeune fille dont le problème, l'un des problèmes dans la vie, c'est qu'elle est jeune et qu'elle est belle, et qu'elle voudrait qu'on la considère pour autre chose que sa beauté. Et c'est aussi une manière de visiter ces sociétés qui se côtoient, y compris dans une ville comme Naples, qui est d'une grande, 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 grande force visuelle, une grande beauté, dont se côtoient des sociétés différentes. La haute société, la basse société, la société des professeurs, des intellectuels. Le film s'appelle donc Partenope. Et puis Magnus von Horn,
c'est le moins connu de toute cette liste de gens dont je viens de vous parler, et pour cause, puisque c'est une première entrée en sélection officielle et en compétition. Le film s'appelle « The Girl with the Needle », c'est un film d'époque, un film tourné en noir et blanc, au tournant du siècle 19e et 20e, qui raconte ce qu'étaient les difficultés pour les ouvrières, pour les femmes, de continuer à exister loin des carcans sociaux et dans la liberté, dans le désir de liberté, d'une liberté de l'esprit et d'une liberté du corps aussi. Voilà, ça s'appelle Magnus. Il s'appelle Magnus Van Horn. Nous ajouterons peut-être aussi, puisque là, on n'est pas aux 21-22 films habituels qu'il y a en compétition habituellement. Donc, dans les petites réflexions que nous allons mener dans les jours à venir, il y aura aussi la compétition. Le festival sera refermé le samedi 25 mai. Comme il est coutume que je parle de Bruce Springsteen, ça sera donc le jour du concert de Bruce Springsteen à Marseille, ce qui ne va pas du tout. Il aurait dû le faire le lendemain. Je lui en ai parlé au Golden Globe, puisqu'il était nommé pour une chanson. Il m'a dit « ça ne va pas du tout, je vais repousser mon concert au lendemain ». Je savais qu'il n'en ferait rien, mais c'était bien de lui demander quand même. Et le festival de Cannes sera ouvert avec Quentin Dupieux. Le film s'appelle « Le deuxième acte ». Ça a déjà été annoncé. Nous aurons sur le tapis cannois Vincent Lindon, Léa Seydoux, Louis Garrel et Raphaël Quenard. Le film fait 1h15, 1h20. Je dis ça parce qu'il y a toujours des gens qui disent « c'est combien la durée des films ?» Vous ne la trouverez pas dans le dossier de presse, mais vous verrez bien, en tout cas, cela, je vous le dis, il fait 1h15, 1h20. C'est une comédie à la Quentin Dupieux, tout à fait réussie, qui nous mettra tous, non seulement, je crois, de très bon esprit, belle humeur pour vivre ces 12 jours de festival, mais pour, avec un film comme ça, qui repose beaucoup sur le cinéma, les dialogues, les plans séquences, les travelling avant, les travelling arrière, c'est un film qui parle de cinéma, un festival dont, avec Iris et toute l'équipe, nous avons décidé qu'il sera pacifique, pacifié, joyeux, généreux, et qu'on ne parlera que de cinéma. Merci à tous. Bravo, Thierry. C'est fini, vous pouvez parler entre vous. Et donc, Fred, on fait... On... Oui.